Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble un point fantaisie aux aiguilles. Et donc ce point il se fait sur 12 rangs, mais jusqu'au sixième rang. Après le sixième rang, c'est une répétition en changeant les couleurs. Donc c'est un point bicolore. Je commence, ça me dit que le premier rang. Voilà, on va lire ensemble le point fantaisie. Donc, c'est le premier rang, il se fait, c'est un nombre, on fait un nombre de mailles sur lesquelles on va travailler. Donc, mon premier rang, je vais faire mes mailles avec cette couleur. Donc, je vais faire un certain, on va faire ensemble un certain nombre de mailles. Je prends le fil comme ça. Et je prends comme ça, je le mets sur l'aiguille, ensuite je fais un jeté et je tire la boucle. Voilà, c'est ça, comme ça qu'on fait les mailles. On fait un certain nombre de mailles. Moi j'ai des aiguilles numéro 6 là et le fil sur double épaisseur. Pour faire ce point fantaisie, il est nécessaire de savoir faire le point à l'endroit et à l'envers. C'est tout. Voilà. J'ai un certain nombre de mailles. Je commence mon premier rang par faire. Premier rang, il me dit brun à l'endroit. Donc l'endroit, je fais comme ça. J'introduis mon crochet. Pas le crochet. J'introduis mon aiguille comme ça. Dans la maille. Dans ce trou-là, j'introduis l'aiguille, je fais un jeté et je tire une boucle. Je pousse l'aiguille. Voilà, je fais comme ça et je pousse pour faire sortir ma boucle. Et donc là, les boucles passent d'une aiguille à l'autre. Voilà, je fais un jeté comme ça. Ça, c'est des mailles en droit. Donc on fait ce rang en droit. C'est un point qui est très facile, mais que j'aime beaucoup. Donc, j'ai voulu le partager avec vous. Premier rang, donc, fait. Voilà, comme cette couleur foncée. Le deuxième rang, la couleur. Cette couleur que j'ai choisie là, donc à l'envers. Maintenant, à l'envers, je prends l'aiguille, je l'introduis par le bas. Tout à l'heure, on faisait comme ça. Maintenant, pour faire l'envers, on introduit l'aiguille par le bas et je fais un jeté, je pousse la boucle pour la faire passer sur cette aiguille de droite. Et voilà. Et je fais comme ça, tout se rend à l'envers. Donc, ce point fantaisie se compose de ces deux rangs. De départ, un rang en droit et un rang, le deuxième rang à l'envers. Voilà. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais travailler, je vais introduire la deuxième couleur. Pour moi, c'est la couleur jaune. Donc, il me dit de faire une maille en droit, la première maille à l'endroit. Donc, je vais introduire mon aiguille et je fais la première maille à l'endroit et je tire. Je tire sur les fils pour serrer. Donc la première maille à l'endroit, je passe le fil. Il me dit de passer le fil devant le fil que je viens d'introduire. Je le passe devant et je fais glisser cette maille. Je la glisse à l'envers. Je la glisse pas comme ça, mais à l'envers. Je glisse la deuxième maille comme ça et je fais passer le fil vers l'arrière encore une fois pour faire une maille à l'endroit. Je fais passer le fil devant. Et je glisse la maille à l'envers, juste la glisser, et
je remets mon fil vers l'arrière. Une maille à l'endroit, je fais une maille à l'endroit, je glisse, je mets mon fil devant et je glisse la maille comme si j'allais la travailler à l'envers. Ensuite, je remets le fil vers l'arrière du travail pour faire une maille endroit. Donc, comme ça. Une maille, je la travaille, une maille, non. Ça, c'est le troisième rang. Je fais passer le fil devant, je glisse la maille et ensuite, je remets le fil derrière pour faire la maille à l'endroit. Voilà. Donc maintenant, je passe le côté envers. Donc, on est arrivé au troisième rang. Le quatrième rang, il est toujours cette couleur, dans cette couleur. Et qu'est-ce que je vais faire? Une maille envers. Pour cette maille, celle-là, je l'ai travaillée l'autre rang. Donc, je vais juste la faire glisser. Juste la faire. Si je me retrouve avec la maille travaillée, déjà travaillée dans l'autre rang, donc je fais que la glisser. Si je me retrouve avec cette maille au début, si vous vous retrouvez avec cette maille au début, donc vous la travaillez à l'envers. Donc la maille glissée du rang précédent, on la travaille à l'envers. Je remets le fil devant, derrière le travail, et celle-là que j'avais travaillée dans le rang précédent, je vais la faire glisser. Mais cette fois, je vais la faire glisser comme ça, comme si j'allais la travailler à l'envers. Et je remets le fil devant pour travailler celle-là qui était glissée. Je la travaille maintenant à l'envers. J'espère que vous me suivez. Je recommence. Voilà. Celle-là, on l'avait travaillée en jaune, on l'avait travaillée à l'endroit. Et celle-là, on l'avait glissée. Dans ce rang, on fait le contraire. Celle qu'on avait travaillée dans le rang précédent, on met le fil derrière le travail, il est là. Donc, et je la glisse à l'envers parce que je l'avais déjà travaillée, elle est déjà travaillée. Donc, et je l'ai glissée. Et je remets le fil, puisque je suis dans un rang envers, je remets le fil devant et je travaille. Celle qui était glissée, je vais la travailler à l'envers. Donc, je remets le fil vers l'arrière. Celle-là, je l'avais travaillée dans le rang précédent. Je l'avais travaillée à l'endroit. Maintenant, je vais juste la faire glisser. Et je remets mon fil devant le travail. Celle-là, je l'avais glissée dans le rang précédent. Donc, et là, je vais la travailler à l'envers. Puisque je suis du côté envers. Donc, je remets le fil derrière. Je fais glisser celle-là. Et je remets mon fil devant pour travailler celle-là à l'envers. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Regardez, celle-là je la glisse. Je remets mon fil devant. Je travaille celle-là à l'envers. Et je remets le fil ici. Et celle-là, comme je l'avais déjà, elle est déjà travaillée le rang précédent, je fais que la glisser. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on arrive au cinquième rang. Et il me dit, faire comme au troisième rang. Le troisième rang, qu'est-ce qu'on avait fait? Mais avec la couleur, maintenant avec cette couleur, avec la première couleur. Le cinquième rang, je vais prendre la première couleur et je vais travailler comme au troisième rang. Le troisième rang, j'avais commencé par faire une maille à l'endroit. Donc, j'introduis mon aiguille. Je laisse le fil, le fil que je viens d'introduire. Je reprends ma première couleur. Je fais la première maille à l'endroit. Pardon. Je fais ma première maille à l'endroit. Et je prends le fil, je le fais passer devant et je glisse cette maille. Je vais la glisser comme si j'allais la travailler à l'envers et je passe mon fil vers l'arrière. Donc on recommence le troisième rang. Donc une maille en droit, je mets le fil devant, je ne fais que glisser la maille et je passe le fil donc, et j'obtiens
ce fil qui passe devant. Donc voilà. Je fais comme, c'est comme le troisième, rang. Voilà. C'est très facile. Il suffit de répéter et après vous saurez ce qu'il faut faire. Donc voilà, je vais faire glisser celle-là et la dernière, je vais la travailler. Voilà ce qu'on obtient. Le sixième rang, il est toujours dans cette couleur, mon première couleur foncée, et je vais travailler tout le rang à l'envers. Je vais faire un rang, le sixième rang, c'est un rang à l'envers, avec ma première couleur. Voilà. Ça, on a terminé cette première partie. Maintenant, on va refaire la même chose, mais en inversant les couleurs. Le 17e au 12e rang, comme du 1er au 6e, en inversant les couleurs. C'est tout. Donc voilà. Là, je vais faire le premier rang, on a dit, c'était un rang tout à l'endroit. Donc je vais faire un rang à l'endroit. Voilà. Donc mon premier rang. Je recommence du 1er au 6e, mais en changeant les couleurs. Voilà. Ça. C'est moi le rang à l'endroit. Je vais faire mon deuxième rang qu'on avait fait à l'envers. Donc c'est un rang tout à l'envers. Voilà, on a fait les deux rangs. Premier et deuxième. Et là, maintenant, on va faire le troisième. Le troisième. On l'avait fait avec cette couleur et qu'on avait commencé le troisième rang, on avait fait une maille à l'endroit et je mets le fil devant et je fais glisser la maille à l'envers, je remets le fil vers l'arrière et la maille suivante je la travaille à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc une maille à l'endroit, je prends le fil, je le mets devant comme si j'allais travailler à l'envers la maille, comme si j'allais la travailler à l'envers, mais je fais que la glisser à l'envers. Je remets le fil vers l'arrière, la suivante à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Seulement maintenant, on a inversé les couleurs. Voilà, j'ai fini le troisième rang, on va faire le quatrième. Le quatrième, rang, donc celle-là, je l'ai travaillée à l'endroit. Donc moi, si j'avais celle-là, ma dernière maille, elle est que glissée celle-là, puisque j'ai que le fil, elle est que glissée, donc je la travaille à l'envers. Mais comme j'ai celle-là que j'avais déjà travaillée, donc je vais commencer par la faire glisser. Je vais la faire juste glisser et je vais travailler celle-là qui était glissée du rang précédent, je vais la travailler à l'envers. Voilà, je remets le fil vers l'arrière. Celle-là, je l'avais déjà travaillée le rang précédent, donc je la fais glisser. Et je remets mon fil devant pour travailler celle-là à l'envers. Je remets le fil derrière. Donc, et celle-là, elle était glissée dans le rang précédent. Donc là, je la travaille à l'envers. Puisque je suis à l'envers du travail. Je suis du côté envers maintenant. Pardon. Donc, je l'ai travaillée à l'envers. Donc, je la fais glisser celle-là. Je travaille celle-là à l'envers. Je passe mon fil derrière. Et Voilà,
Vous voyez pourquoi on fait passer le fil derrière? Pour que dans le devant du travail, on obtienne ces fils-là. Regardez, je vais glisser celle-là, je vais la glisser et je fais passer mon fil comme ça. Et ce fil, hein, il est là, il est là. Donc, j'obtiens ce motif. Comme ça. D'accord? Celle-là, elle est juste, je l'ai juste fait glisser. On arrive au cinquième rang et on a dit le cinquième rang c'est comme le troisième. Donc là on arrive au cinquième rang et je vais utiliser la couleur claire. La couleur claire, donc je commence puisque je suis à l'endroit du travail, donc je vais faire ma première maille à l'endroit et je vais faire passer le fil devant. Je glisse la maille comme ça. Et je fais passer le fil derrière pour travailler ensuite la suivante à l'endroit. Comme on avait fait auparavant au troisième rang. C'est la même chose, c'est la couleur qui change. Regardez ce qu'on obtient. Là, c'est quand on a introduit la nouvelle, quand on a inversé les couleurs. Là, on arrive au sixième rang. Septième et le huitième rang, ils sont comme le premier et le deuxième. Et ensuite, on commence à faire le motif là. Et ainsi de suite. C'est la même chose, mais on inverse les couleurs. Ici, on avait commencé par la couleur foncée. Là, on commence avec la couleur jaune. La couleur claire. D'accord? Et voilà, je fais la même chose. Donc, vous scannez le travail, vous le suivez. C'est facile à faire. Voilà. Et je termine ce rang par une maille à l'endroit. Voilà. C'est fait. Mon dernier rang, il est tout à l'envers, hein, avec cette couleur. Donc, et je termine mon point fantaisie. Voilà, c'est le dernier point, c'est le dernier rang du point fantaisie. Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez compris mes explications et que vous allez réussir à scanner. Je vais l'écrire dans la barre d'infos. Je vous écrirai le point fantaisie, mais si vous voulez le scanner aussi, pourquoi pas. Voilà, on a terminé le point fantaisie. Je l'ai fait avec vous, mais le point que je suis, la veste que je suis en train de travailler, elle est de ces couleurs, la couleur brune et la couleur, là j'ai utilisé une couleur beige. Je trouve que ça se marie, j'espère que vous aimerez. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouvera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.